Bonsoir tout le monde, nous très content avec vous à Soya. Jeudi, c'est 28 juillet. Mais nous avons moi à côté que je pense que c'est pile formation musicale qui prend naissance et juin, juillet, août. C'est moi sa majorité jazz prend naissance. Mais c'est moi tout qui gagne plus d'activités culturelles en Haïti. Et c'est moi ça. Compa direct prend naissance par un grand homme qui relait Neumon Jean-Baptiste que en pile monde t'entendait parler de lui mais nous pas contre trop bagaille sur lui. Dans occasion centenaire Neumon Jean-Baptiste créateur Compa direct dans occasion 63e anniversaire Jean musical ça qui portait la joie qui portait l'argent dans poche en pile haïtien la joie dans cœur en pile haïtien et étranger. Et bien, c'est important pour nous faire un petit parler, un petit bat de bouche avec un autre gros bout de garçon qui c'est Mario De Volsi. En pile, dans nous connaît, mais plus jeune, peut-être qu'on entendait parler de lui. Je dis à nous trouver l'important et nécessaire comme jeune garçon qui a milité dans la question qu'on parle direct pour l'avancer comme un trait culturel, comme un élément culturel, comme un bagage qui caractérise les Haïtiens, comme. Pour moi-même, il y a une bagaille qui fait valeur à Haïti dans la région caraïbéenne. Eh bien, il était important pour nous transférer un paquet de bagailles sous histoire créateur, qui c'est Neumon Jean-Baptiste, mais aussi histoire genre musical ça, de naissance. Li. Dans les années 50 jusqu'à aujourd'hui, à différentes étapes, changements, li connaît. Et répondre tout. À une soif, à une demande par rapport à en pile interrogation qu'a posé sous certaines choses sous genre musical ça puisque dans pile formation musicale qui contribuait dans existence li mais qui portait grain sel paio et qui créait en pile confusion. Donc dans sens ça nous t'es voulu faire petit bat de bouche avec comme tu as dit ça son patrimoine ambulant qui c'est Mario De Volsi, qui pourra permettre de nous connaître plus sous histoire qu'on parle direct, sous histoire la vie de Neumon Jean-Baptiste, qui lui-même, s'il t'a vivre aujourd'hui, il t'a gagné 100 ans. M'a dit tout le monde qui fait déplacement, merci. M'a dit tout le monde qui a regardé en direct sur Facebook ou bien qui sous radio, merci parce que vous prenez du temps pour vous tenter apprendre un peu de bagaille sur qu'on parle direct et Neumon Jean-Baptiste. Bonsoir Mario, son plaisir pour me gagner encore une fois et me bral kito pour exposer, pour vider tout ce gain parce que ça son document d'archives qu'a fait pour des générations à venir. Encore une fois bienvenue et son plaisir, son honneur pour moi pour me gagner un bon côté sur table ça pour nous parler d'un bagage qui fait que nous tous les deux contacts qui se compa direct. Vous êtes entendu tout à l'heure qui me dit bah j'aime comprendre. Je comprends que je suis dans la voie et pour nous parler de compas direct. Ça veut dire que c'est le cas de génération Youn et peut-être que ce pas des bagages que je connais, ou qui peut-être intéressé. Parce que d'ordinaire, la jeunesse là n'est pas intéressé à connaître exactement ça qui est histoire. Ouais. Et je pense que l'on fait, il faut ça, ou bien l'on fait, on prend une décision et avec toute, comment il y a, toute collaboration de tout le monde qui prend une décision que je dis à la. Pour moi, là, je pense que ça, c'est vraiment m'applaudir. Et encore moins du compliment parce que on fait un travail énorme et je pense que et travail c'est dans ma jeunesse là lié. Ouais. Et je dis encore c'est un plaisir moi je suis là avec nous pour nous partager et information que nous avons et forme nous que information que nous avons nous pense que quelqu'un qui gagne plus bon passer nous et quelqu'un qui gagne en pile l'autre information ça veut dire nous nous pense nous disposer attendre parce que nous sommes tous à la recherche de la vérité. Ça veut dire c'est ça que nous avons fait pour nous capables de joindre vraiment une direction, une orientation pour nous mettre la musique haïtienne, spécialement qu'on parle direct dans une direction que nous pensons que vraiment, que les jeunes respectent, que les jeunes exactement la place qu'ils méritent dans le patrimoine national. Là. Très bien, c'est pour aller exposer. Je pense que il y a plus de monde qui a réagi sur Facebook et je prends un commentaire. Question pertinente, je note pour vous. Toutes questions, oui. Toutes questions, et quelle que soit question, quelle que soit interrogation, gagné Mario De Volsi là pour répondre. Mario, merci. Qu'on a nommé.
Nous saluons côté de Chita, la fond saluer et mettre côté à Backyard, c'est une place que nous considérons comme une méca de musique haïtienne. Non? Et à soir là, nous Chita là, en compagnie de M. Sayo, et il y a plusieurs personnalités là, que nous allons saluer, de Fred Lizet, de Maestro Jackie, etc. Ça nous parle venir sous ça, vrai. Et c'est un plaisir, moi encore, pour moi, bon présent, avec invitation de tout haïtien. Et ça qui est là, ça qui est l'internet, ça qui est la radio, ça qui est la télévision, et pour nous capables de partager et de ton information, spécialement au sujet de avec les combats directs là. Et j'aime toujours dire, je pense que en pile fois que nous avons parlé de combats directs, j'ai toujours pensé que combats directs, c'est comment on dit ça, c'est musique haïtienne. Et une chose avant que nous entamions le sujet combats directs là, faut nous capables et on fait une on tire aller sur musique haïtienne d'abord pour nous capable arriver sur combat direct là et moi c'est tout c'est ça capable pour le bail monde et comprendre l'importance que ça combat direct là et parce que nous pensons que musique haïtienne spécialement il y a tellement de histoire derrière lui et il mandé vraiment pour gagner des informations spécifiques qui fait et qui pour capable mettre tout le monde confortable. Et si on parle de musique haïtienne, nous pensons que des gens, si on a commencé par des gens, spécialement des gens qui mettent pays ça. Et nous connaissons que les gens qui mettent pays ça, c'est indien que oui. Et nous pensons que les indiens ont quitté tellement de bagages qui sont importants pour nous et que nous utilisons, que nous joignons dans tout parcours musique haïtienne, que nous ne sommes pas capables de parler de musique haïtienne sans que nous pas. Et même dit un gros chant, même pour Arawak, pour les musiciens qui sont sous terre ça. Et je pense que l'importance de Jen est tellement important, côté que dans toute forme de musique, ou bien dans toute forme concept et culture haïtienne, où jouent indien au présent. Et spécialement, il y a un côté qui est capable de dire nous jouons indien au plus, c'est spécialement la musique racine, c'est la bonne rara. Et en plus, le monde qui est capable de constater nous, que la bonne rara, Major Jean, et comment il est, en plus, l'instrument percussion, spécialement, et même vevé et même totem nan que capable reler potomitan que utilise dans vodou tout ça c'était des bagages d'origine indienne et toute forme de comment elle est forme de et mouvement et que y a fait autour de totem nan tout ça que nous venons dans banara qu'a fait tout ça c'est d'origine indienne et mettez une raison qui fait nous capable dire que musique haïtienne nan son musique qui tellement que des éléments qui viennent partager qui viennent infiltrer. Et la donne qui fait que la musique haïtienne, il y a une pile, trop diversité, fait que parfois, il y a une pile de complications. C'est ça que je veux dire. Parce que pas oublier, après Indien, nous avons des Espagnols qui viennent entrer, nous avons des Français, nous avons des Anglais, nous avons des Polonais, nous avons des Allemands, nous avons des. Tout de suite, du coup, on a parlé de la première génération, colons. Et après ça, nous avons tous des immigrants et qui viennent porter tout, nous avons dit. Pardon, et collaboration ou bien et évolution qui partage, qui participe dans l'évolution culturelle. Mais d'abord, si on a parlé de musique, et là, on a parlé de musique, nous pensons que il y a un moment qui pourrait caractériser, qui pourrait exactement et vinbal by musique haïtienne une direction au niveau international. C'est spécialement à partir de 1791, à partir de. Et révolution que Bookman expérience que Bookman problème de Bookman expérience ça nous pas comprendre tout que Bookman était entamé et bien à partir de révolution ça et gros paquet esclaves gros paquet et comment elle ça colons et là ça forme de nous le patrie les haïtiens et le patrie les haïtiens et haïtiens c'était Saint-Domingois parce que c'était de Saint-Domingue qui était sorti ça veut dire les Saint-Domingois ça yo inclut haïtiens et colons. Les Abkoui pour prendre exil, il y a plusieurs là-dedans qui allaient New Orleans et Louisiana, il y a un peu là-dedans qui allaient Cuba, spécialement qui est situé spécialement dans la ville de Santiago. C'est ça que nous avons vu, que il y a un pile et musiciens qui vont développer blues là, qui vont tourner jazz là, où il y a un pile là-dedans qui est d'origine haïtienne, on parle d'origine Saint-Domingue, spécialement qui a évolué à partir de l'évolution blues avec jazz dans New Orleans. Et bien, nous avons même effet ça fait dans Cuba. Côté que nous avons un paquet de musiciens qui arrivent à Cuba,
spécialement Stien Tago, qui va développer une série de formes de musique. À partir de formes de musique, ça, nous va dire, nous avons parlé de bien avant, nous les précurseurs, nous les et de son, et son montouno, etc. Mais nous avons qui va vraiment commencer à faire mouvement et relation culturelle là, et la réalisation, ça, c'est musique, les dans son nom. Dans son, c'est une musique que nous pensons que c'est une musique qui est dérivée de musique haïtienne, qui sortit haïtien, qui nous dérivée de contredanse, de carabinier. Carabinier, c'est une musique que haïtien qui a commencé à jouer après 1791. Mais quand on a parlé d'évolution, forme de musique que nous avons commencé à jouer depuis l'heure où il y a allé Cuba. Ça veut dire que nous avons parlé de Kalinda, de contredanse là spécialement. Eh bien, les formes de musique sont arrivées. Cuba, libéral développé, libéral bas ou exactement San Caprile, membre d'Anson. À partir de Anson, gagne les frères Kachao, si je me rappelle vraiment, qui pral prendre Anson, qui pral capable de dire refrain d'Anson. C'est refrain d'Anson que nous pral prendre, nous pral faire tourner Mambo. Ça veut dire, Anson, c'est peut-être une musique qui est rapprochée de Maestro Jacques Mbois, capable de confirmer ça, qui est rapprochée de 6-8. On l'autre musique on 3-4, on l'autre musique qui bagon même cadence, qui bagon même 2-4 là, qui bagon même 1-2 avec Mambo. Et bien son refrain que nègre tiré de Danson, que nègre pral identifier comme Mambo. Et bien, c'est ça qu'on va jouer que en pile haïtien, les a parlé de Mambo, il parlait de Mambo, m'a parlé aux générations ça qui va développer musique, n'a parlé qu'un saxophone, trompette yo, il parlait les Mambo, Mambo à partir de saxophone, vous avez dit. Les gars, nous allons faire un mambo sax. Ça veut dire que c'est un mambo à son bagage. Ça, c'est ça que les mambo. Mais c'est ça nous-mêmes nous identifions comme mambo. Mais en réalité, les mêmes Cubains nous identifient mambo comme une forme de musique. Eh bien, mambo, c'est lui-même qui va le développer, qui va arriver, qui va le faire toute l'autre forme de musique latino, de salsa, de tout, spécialement salsa, spécialement. Et même moun sa yo, nous pas joindre que même haïtien sa yo, à partir de l'indépendance nous, on va joindre que occupation dominicaine et nous va joindre que yo même qui te besoin nous vinn occuper d'abord, d'autant plus ça veut dire nous va joindre que nous avons influence capitale de culture nous qui va tomber Saint-Domingue. C'est là que nous va joindre la meringue haïtienne qui commence à développer, mon meringue n'a pas tellement fort impact. Spécialement, les rivières dans la zone East, là, dans la zone Est, là, ils peuvent développer, c'est lui-même qui peut le faire, nous, ça ne décarre les merengues. Parce que combinaison de merengues haïtiennes avec forme de musique panyol, spécialement mon dominicain, mon parti Est en Haïti, les n'a l'occupé, nous, je viens de ces passos doublés, ces formes de musique, ça. Comme nous connaissons que panyol là, plus chaud, et eux-mêmes, tout, ils ont plus, on dit, genre, que communication avec forme de musique qu'a joué dans le pays Cuba, parce que d'autant plus qu'on était espagnol ou parlé, ça veut dire qu'on a développé forme de musique qui parlait les merengues. Ça veut dire qu'à partir de merengues, on va développer merengues qui vient nous 2-4, qui vient nous 1-2, même avec Mamboua. Ça veut dire l'intervalle, ça n'a pas parlé là. Ça veut dire musique haïtienne, faut capable d'applaudir et comment on a dit, retirer chapeau devant, parce que nous avons un plus gros événement, nous pensons que qui fait. C'est en 1949, côté que l'exposition bicentenaire. Il faut me dire que l'exposition bicentenaire en 1949 sont estimée, son initiation ou initiative d'estimer. C'est une bagaille, nous pensons, qui prend vraiment mettre musique haïtienne dans la culture haïtienne dans son go map. Parce qu'à partir de l'exposition bicentenaire, là, qui pour inauguration 200 ans de Port-au-Prince, il faut me dire nous rappeler que c'est le troisième pays sur la terre qui prend responsabilité de faire une exposition. Si on a parlé de l'exposition, c'était gain New York, États-Unis qui a fait pour New York, pour la ville de New York, pour bicentenaire. T'es gain Paris, t'es gain la France qui a fait pour Paris, pour l'occasion bicentenaire de Paris. Et bien, troisième pays qui fait ça sur la terre, c'était Haïti qui fait ça pour Port-au-Prince. Ça veut dire une exposition là, il faut que ça. C'était un pigo, c'est pas pigo, non, c'est pigo événement jusqu'à présent qui existait, qui fait autour de un pays au niveau politique et au niveau culturel.
Ça veut dire avec exposition ça, tu as un pile artistes étrangers qui entrent en Haïti et tu as une préparation tout qui est faite au niveau international pour être capable de recevoir tout diplomate. Ça veut dire la fin de la partie de bicentenaire que Steve Devine Batia, il y a plusieurs pavillons qui identifient plusieurs pays qui ont participé dans l'exposition bicentenaire là. Mais dans l'exposition bicentenaire là, c'est là que Haïti a eu l'occasion de faire une sorte de, comment on dit ça, un échange culturel. Et c'est là que nous allons découvrir des mondes que Kouliman Casimir. Et nous allons découvrir, en réalité, nous allons découvrir des jeunes en quelque sorte. Mais il faut que nous ayons des mondes qui étaient vraiment importants dans le mouvement. Ça veut dire qu'il n'a pas de Jean-Léon Destiné, n'a pas parlé de Lina Maton Blanchet, etc. Mais ça veut dire qu'il est capable de dire là, à partir de là, côté que nous avons des artistes étrangers qui viennent entrer en Haïti, de Daniel Santos, de Sonora Matancera, de Celia Kous, etc. Sans compter de plusieurs autres artistes dans tout le pays. N'a pas les qui participent dans l'exposition Italie, tout pays était représenté en Haïti. Mais à partir de l'exposition bicentenaire, ça lui fait tout. Faut que tout lui devine créer une sorte de, comment il dit ça, une sorte de invasion. Parce que nous-mêmes en Haïti, nous pouvons comparer, nous pouvons exposer avec technologie à l'époque ça, pour nous être capables de montrer de production, pour nous-mêmes, pour nous être capables d'écouter la radio, pour ces musiques nous être capables de jouer. Mais avec exposition ça qui vient fait là artistes étrangers qui viennent entrer là on va jouer que gros paquet musique à dans pays ça qui vient tout imposer autour dans pays d'Haïti. C'est ça qu'on capable dire à partir de zone 50 yo. À partir de année ça yo, nous va jouer que pays d'Haïti te gagne une occupation culturelle dans pays d'Haïti avec musique étrangère. On parle de musique mexicaine, on parle de musique cubaine, on parle de musique dominicaine, on parle de musique américaine, on parle de musique européenne, etc. Et bien la musique, ça au conseil de l'autre, ça te fait qu'on parler de occupation, hein? C'est parce que le moment, à part que tout pays, ça a des musiques folkloriques qui ont gagné, mais il y a des musiques, de musique moderne, musique côté que jeunesse pays ça, il y a des formes de musique qui a développé. La forme de musique qui a développé, ou pas lui qui sorti que, ou pas un résultat, ou bien Saint-Domingue, Merengue, Cubain, gain Mambo, et Américain, il y a un rock and roll qui va commencer timidement, il y a spécialement le ça, il y a un twist. En fait, musique qui est à la mode à l'époque, ça, c'était tout ce que les Américains ont gagné comme musique populaire. Nous ne pouvons pas dire que tout le paquet de grands chirages de Miguel Aceves Pereira a envahi la radio en Haïti, a envahi Bidionel. Même orchestre en Haïti n'a pas gagné le choix. C'est exactement ce qu'ils ont obligé de jouer, la musique qui a interprété. Ça veut dire, nous pensons que dans le moment, ça, tu as gagné un besoin, tu as gagné une importance capitale pour le pays d'Haïti, tu as une musique propre, une musique nationale qui est capable de compiter avec l'invasion, avec l'occupation culturelle ça, qui fait la musique haïtienne. C'est là qu'on est capable de dire que de mon Jean-Baptiste, c'est là que M. Bralguin place dans l'histoire de la musique haïtienne. C'est là que M. Bralguin a une importance nationale pour nous. Côté qu'à partir de 50 ans, là que nous avons fait une responsabilité, ensemble avec tous les collègues, nous avons parlé de premier lieu. Nous avons parlé en premier lieu, nous avons parlé de parcours, nous avons parlé de événements culturels, événements qui vont nous combattre direct là. À partir de tout événement, tout rencontre qui est fait entre Monsico et Crédit du Ozo, dans plusieurs autres, et comme d'ailleurs, tirer à l'Emenevini, tirer jouer, qu'a fait, conseil de côté comme ça, eh bien, dès que vous rencontrez plusieurs fois, parce que vous avez joué dans plusieurs formes de formation, et vous avez un côté que vous êtes capable de dire que vous rencontrez, vous avez de bonnes. Carnaval, parce que pas oublier que ni Robert Sico, ni Neymon Jean-Baptiste, ils étaient dans Titato. En réalité, Titato sont bandes qui sont dans bandes à pied, qui est Tana. Tana, comme nous connaissons son nom, qui est dérivé de musique de typique aussi barino, parce que en plus le monde tout, les a parlé de, ils dit comme ça, et haïtien, c'est typique, ils avaient imité. Mais il faut dire nous tout, c'est comme dans la radio, même gens, on parle avec un japonais. Les japonais attendent tout jazz qui paraît dans le pays, ils ont jazz à l'élé, tabou combo. Super combo, afro combo, ibo combo, etc. Les lapins des types de musique ça, pour lui-même, avec paquet tout combo ça, les tout combo, les babas nous l'autre, non, lui dit ça, son combo. Et bien, c'est même mal à la coupe pour arriver à ici, hein. Les que lapins des invasions de formes de musique merengue ça, yo, yon premier qui apparaît là, c'est musicien, oh, qu'est-ce que les typiques aussi baïnio, qui, oh, qu'on tous typiques aussi baïnio. C'est ça que fait toute musique
qui semblait qui merengue ou les typico, mais en réalité typico c'est comme d'agado ou dit combo ou typico avait dit exactement région, ça veut dire zone côté orchestre sorti, c'est comme conto typique de tel côté et orchestre méridional des cailles, ça veut dire orchestre de telle zone, c'est ça typico. Typico sont c'est comme d'agado c'est un et un adverbe ou bien qui est d'agado lié. Ça veut dire c'est pas typique, mais c'est pas non orchestre là. C'est comme d'agado dit combo ou bien on dit typico tout. Et bien à partir de là où vient que envahissement spécialement orchestre conto international ou conto typico sibaino inclut toute l'autre orchestre merengueo, spécialement yon nan premier, yon nan yon qui marqué musique là et que en pile moun toujours trompé yo, yo bay typico sibaino crédit a. Non, c'est pas vrai, c'est orchestre relé, c'est yon nan artiste qui a composé musique ça, monsieur le Damiron. Damiron c'est un pianiste dominicain. Et bien à partir de musique ça qui est la Maricoutana, et bien on va dire que orchestre qui est Tana qui va le former, c'est Tana que nous Jean-Baptiste, un musicien qui était involve dans formation ban à pied qui était le Tana qui était là dans Chadavoine. Forme de Chadavoine ça, c'est lui même qui papa Chadavoine que tout le monde connaît qui joue guitare. Et bien c'est monsieur papa monsieur, c'est lui même qui était saxophoniste tout ensemble avec Monsieur Belé, c'est next qui était premier ban à pied que le Tana qui tape avec un uniforme très réellement quoi dit nous et folklorique parce que on saxou yo on sait de bail très et quoi dit comique. Et c'est à partir de Banta Tana qui va tourner Titato et bien qui gagne Robert Sico un paquet de monde là dans Banta. Et bien à partir de là nous capable dire que 25 juillet 55 en pile monde dit comme ça et que et combat direct son bagage qui fait en juillet 55 mais faut me dire nous que c'est un bagage que me pense que demander peut-être un petit ajustement historique là dedans. 25 juillet et ça fait même dit 25 juillet pas dit 26 juillet parce que tout le monde qui est habitué en Haïti connaît que les a parlé de anniversaire ou bien les a parlé de zone qui fait musique ou bien non les a parlé de zone qui a fêté fête champêtre, c'est toujours la veille fête, c'est toujours la veille fête qui fête. Ça veut dire moi même l'année dernière je suis Tigoua pour 15 août c'est 14 août dans la soirée du 14 août c'est lui même qui fête même genre avec Noël. Ça veut dire 25 décembre certes mais 24 décembre c'est lui toujours toute bagaille yo focus sur 24 décembre dans la soirée et bien c'était même bagaille là. Mon natif, la fête est fête Sainte-Anne, c'est toujours 25 juillet lié. Et bien, à partir de 25 juillet, ça, que toute rencontre que nous avons fait, si côté avec nous, dans Sodo, pour faire Sodo, et si nous avons assis pour avoir un petit tâteau, mais nous avons habitué à jouer ensemble déjà. Mais jour ça, 25 juillet, que tout le monde dans la zone, nous réuni une série de zones pour être capable boire clairin, bah blague, fêter parce que c'est fête champêtre zone. Et bien c'est jour ça hein, que la Richard Mass numéro 54, le numéro 34, excuse-moi, Richard Mass numéro 34 et c'était Kai et papa me Léon Volsi que nèg t'a pas un gaout, nèg t'a fait musique, nèg t'a bail blague. Et bien quand il dit parce nèg dit nous pas capable quitter occasion ça pendant fête Sainte-Anne ça pour nous parler fond bagage sur place Sainte-Anne. Nèg yo prend instrument yo, nèg yo déplacer forme de nous laisser pas de instrument électronique. Ça veut dire si ko ne monte une machine, c'est monsieur qui mène six croix chez saxophone ni. Ça veut dire nèg yo prend instrument yo, tout nèg yo te rete dans même zone nan. Nèg yo te rete dans même zone nan. Nèg yo aller sous galerie, caille yo côté parce que ça me seul mon songe, tu gagne une boulangerie qui était chez Magui. C'est la boulangerie devant sur boulangerie ça à l'époque, tu connais qui était les lions tout. Qui te mettre on son tailleur monsieur te lui-même c'est sous galerie ça nèg fait premier performance yo qui avec orchestre que arrivé conto international là et bien première performance ça te gain plusieurs musiciens qui là dedans qui nous pas jamais entendre nous là avec compas direct mais en réalité c'était octet base compas direct là n'a parlé de spécialement un musicien qui était là le ça qui était Anilis Cadet parce que dans la soirée du 25 décembre ou vers 26 décembre toute musique nèg t'a joué c'était musique qui était basée sur musique Anilis Cadet. Mais il y a une musique tout qui était basée sur musique typique aussi Sibaino ou bien comme Damiron, etc. Et il y a un pile musicien qui était là, qui dit c'est une musique Anilis Cadet qui a joué pour la première fois. Il y a un tout qui dit que son musique est merengue que les Mercedes qui a joué pour la première fois. Bon, ça, c'est un débat. Peut-être si vous êtes vivant ou bien si vous êtes présent, vous êtes capable peut-être de définir. Mais à partir de là, que nous jouons que l'orchestre avec
et connexion bien la répétition que vous l'humain Jean-Luc vient découvrir. C'est là que l'orchestre va aller déplacer, il va commencer à jouer au Calebasse 15 Kof. À partir de au Calebasse 15 Kof là, eh bien nous jouons que c'est là que nous va capable de dire que l'histoire va commencer. Orchestre pas les contre international encore, orchestre venir les au Calebasse parce que c'est cas Jean-Luc parce que depuis avril on a un club. C'est non un club là pour orchestre pour donc c'est comme ça le théâtre à l'époque ça veut dire orchestre venir l'orchestre au Calebasse mais là ça les négociations à voir dans les premiers lieux les tigres Siko et même les tigres Alunet Kader les tigres Moza qui viennent remplacer Batif et Richard Diozo négociations plusieurs types de musique négociations on sait de musique et qui vraiment des musiques folkloriques mais qui est unique parce que pas oublier que jazz des jeunes t'as besoin de musique folklorique à partir de on est que en Talsidas Mura il y a un plus gros musicien haïtien. Nous pensons qu'Antal Sidas Mura, qu'on fait arrangement pour des jeunes, tout, pour qu'on tout, tout. Mais déjà, en réalité, les Antal Mura allaient dans l'orchestre, dans jazz des jeunes. Ou bien, je sais là que monsieur, comme un ethnologue, comme un professeur, un gros musicien, monsieur, pour porter une série de gros moments de changement dans le niveau racine, dans le niveau folklorique, dans le jazz des jeunes. Mais quand il s'agit de l'orchestre, l'orchestre au Calebasse là, il y a différents types de musique, différents types de rites qui vraiment d'arrêter des rites que vous jouez plus en bâtonnel, des rites que vous jouez que l'on sait de ambiance, que nous avons dit ambiance club, nous avons dit ambiance croisé les huit, en dedans, on sait de, et nous avons dit club, parce qu'à l'époque, c'est yo qui était un club. On sait de côté, nous avons dit en bâtonnel, côté de, parce que pas oublier que nous avons Jean-Baptiste, avant que monsieur vienne jouer et saxophone, monsieur c'est le banjo qui a joué. Banjo, de banjo, monsieur vient jouer guitare, de guitare vient saxophone. Eh bien, l'aime de la banjo, c'était en bâtonnel, c'était en forme de groove, ça, que monsieur était. Exactement tout avec mon écoute, Crédit du Roseau, qui était dans le même environnement, qui a le tambour. Parce que Crédit du Roseau, monsieur, personnellement, nous avons pu parler pour nous faire de lui, mais nous n'avons pas pour nous retourner back. Et l'aime Jean-Baptiste commençait à venir au Calebasse. L'orchestre a commencé, il y a plusieurs formes d'approche rythmique. Il y a une approche rythmique. Que on a vu son forme de musique et les bananes pouyak. Et bananes pouyak là son forme de rythme, son forme de musique qui était créé en ambiance, mais qui vraiment qui était proprement original avec l'orchestre qui est au Calebasse là. Et Didier là, et ces petits garçons, moi, Ahmed, Mario, deux, monsieur pour le partager avec nous, une première musique que nous sommes capables de dire pour nous illustrer l'histoire, une musique que les bananes pouyak, une musique que l'orchestre au Calebasse qu'on a vu.